Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec le 8e épisode, je crois, du Let's Play donc avec Emma. Ah oui, j'avais oublié qu'elle était enceinte comme ça. Mais oui, c'est vrai. Mal à l'aise. Tu as envie d'aller aux toilettes? Oh bah, elle y va toute seule, c'est parfait. Ah, mais ouais, je pense qu'elle a combien de trimestres? Ah ok, elle va accoucher dans pas très longtemps, je pense. Comme ça, nous aurons un petit accouchement et un petit bébé dans cet épisode. C'est quoi cette maison-là? Nettoie-moi ça. Ah non, j'avais dit que je la gardais, c'est pour jouer dedans, pour être joueuse, je crois. Il me semble, hein. Bah, préparer un repas gastronomique et nous allons faire... Une petite salade individuelle. Ça va, ça coûte que 2 simflouzes. On risque pas de se ruiner. Bah, elle bug un peu là, non? Ah non. Elle met son truc directement sur la planche, quoi. Tout est normal. Confiante. Chef cuisinière compétente, attention. Vas-y, j'arrive jamais à faire le truc pour suivre. Parce qu'il faut faire clic droit. Mais quand t'as un ordi portable et que tu... Voilà. Non, tu manges, oui. Ah, elle a mal au dos. Ah, elle m'énerve avec ce rire démoniaque, là. Elle a des grosses joues. Un petit hamster qui mange. Sinon, le travail. Elle travaille aujourd'hui? Ouais. À 20h, ça va, tranquillou. Du coup, son copain, je sais pas si on les fait. Si on le fait venir à la maison ou quoi. Ça nous fera un autre personnage parce qu'elle, elle est un peu solo. On va l'inviter, mais il est un peu tôt, je crois. Mais bon. S'il l'aime, hein, il viendra, il va se réveiller pour elle et tout. Mais généralement, dans les Sims, ils viennent pas trop à cette heure-là. Enfin, je crois. Maxime dort, non mais. Tu te réveilles, c'est tout? Bah du coup elle a envie de dormir elle aussi. Comme ça, voilà. Très chiant avec les couettes personnalisées parce que tu peux pas cliquer comme ça sur le lit. T'es obligé de trouver un bout du vrai lit qui est en dessous. Oh le bide. Oh comment ça avance vite. Oh là là, elle est en train d'accoucher, ça va pas ça. Attendez. Est-ce qu'on peut inviter le gars pour qu'il vienne accoucher avec nous? Enfin accoucher avec nous, enfin qu'il l'accompagne quoi. Et je me demandais si jamais on faisait rien. Est-ce qu'elle va accoucher ou qu'est-ce qu'elle fait si on l'emmène pas à l'hôpital? J'ai pas envie d'essayer parce que j'ai envie d'aller voir l'accouchement, voilà. Eh bah dépêche-toi Maxime, parce que nous... Et puis j'ai envie d'aller aux toilettes en plus. Vos toilettes, mais t'accouches pas en même temps, s'il te plaît, hein. On va éviter. Pourquoi il y avait des moins sur sa tête à Maxime, là? Pause. Ça, je vais avoir un bébé à l'hôpital. On veut la rejoindre et voilà, Maxime va venir avec nous. Bon alors nous voilà à l'hôpital. Oh puis en plus on a des factures. Oula, qu'est-ce qui lui arrive lui? Mais faut qu'elle se mette en tenue d'hôpital là. Oh non mais elle est partie, c'est une blague. Reviens là toi. Hein. Oh, mais on va te présenter à l'accueil parce que... Ah mais je crois que... Si elle peut se présenter, ok. Non mais c'est mon tour. Oh. Je peux lui passer devant quand même. C'est quoi ce truc dégueu avec des canards? Non. Attends-moi, attends-moi. Oh. Oh non. Le look. Et du coup, Maxime, il est parti. Non, mais ça se fait pas, ça, par contre. Bon, on accélère un peu parce que. Puis il la laisse comme ça, l'enceinte, il la laisse debout. Attends, 2 minutes, on arrive. Mais personne l'a fait accoucher. Oh, au lieu de rien foutre, là, les docteurs, je sais pas quoi, là, médecin, infirmier. Ah, bah, il serait peut-être temps. Par contre, c'est chelou, c'est le médecin qui fait accoucher, quoi. C'est un garçon! Non, je voulais une fille. On s'en fout. Comment est-ce que je vais l'appeler? Qu'est-ce qu'il me propose?
Jérôme, Laurent, Thomas, Olivier, David, Pierre, Maxime, Vincent. Oh là là, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Ah, il y avait Hugo, c'est mignon, Hugo, simple. Voilà, allez hop. Ah, pourquoi on a une fille aussi? Mais je m'a. Non, mais arrêtez tous d'avoir des jumeaux là. Comment on va l'appeler? J'ai envie de l'appeler Sana pour que ça fasse Sananas. Bon, ça fait Sana Ananas, mais si tu colles les deux, Sananas quoi. Comme une ananas. C'est tout, hein, on n'en veut pas un autre, hein. Non, c'est bon. Très bien. Pourquoi ça en pause? Un petit bug là. Oh. Puis loulou de bébé. Y a un problème. Il y avait qu'un seul bébé. Ah, je crois, hein. Bon alors, on va peut-être changer de tenue, hein. Quotidien. On va mettre un coup quotidien 2. Où sont les bébés? Je suppose qu'ils sont dans sa chambre. Ah ouais, qui c'est qui a foutu ça en vrac comme ça là? Je crois que ce que je vais faire en fait, c'est que ça, je vais essayer de le mettre dans sa chambre. Parce qu'ils ont pas, il n'y a pas besoin d'une pièce juste. C'est absolument pas du tout ce que je voulais faire. On va le mettre ici, du coup, ce tapis rose fluo, nous n'en avons pas besoin. Cette petite étagère de livres, peut se caser là. Les petits fauteuils, on va les enlever. Voilà. Voilà. Et la petite plante, on s'en fout en fait. Ah, et d'ailleurs, on a des factures à payer, du coup, je voulais voir si nous avions des trucs. Bah bien sûr. Oh bah parfait, on a plein de choses. Tu vends deux télés, ça y est. Voilà, je vends l'ordi, c'est bon. Je peux largement. C'est bien d'avoir ça en réserve, mais quand le jour où j'aurai encore besoin de trucs, et ben je n'aurai plus rien. Bon, ça c'est Sana. Mais ils auraient pu mettre un truc à rose, un bleu, parce que là ils sont les deux jaunes. Comment voulez-vous que je sache? Pourquoi ça les éclaire pas beaucoup? Ah non, il y en a un vert. Non, ils sont jaunes. Il n'y a pas de vert, je crois. Je vais mettre des tapis de couleur en dessous. Rose et bleu pour mes souvenirs. Bon, faut-il encore que j'en trouve? Bon, ça serait bizarre, non? Oh, ça ira très bien. On s'en fout, de toute façon, on leur fera une chambre bien quand ils grandiront. Voilà, rose, bleu. C'est génial, leur chambre. J'adore. Non, en vrai, ils vont pas rester bébés longtemps, alors ça vaut pas trop le coup de faire un truc de fifou. Mais du coup, on va rappeler l'autre, là, Maxime, hein, tu te défiles pas. Là, il est arrivé à l'hôpital, il s'est dit, oh là là, non, 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 je n'ai pas signé pour ça, moi. Eh ben gros, t'as deux gosses maintenant, tu assumes. Changer la couche, nourrir, bah, allaiter, tant qu'à faire, et bercer. Changer la couche, nourrir, allaiter aussi, hein, et bercer. Comment elle tord des fesses, un truc de fou. Oh, c'est mignon. Par contre, la voix qu'elle prend. Il est en train d'allaiter là. Ah ouais, d'accord. J'adore, c'est vraiment très très réaliste. J'espère que le t-shirt était très bon, mon petit gars. Par contre, c'est chiant, genre, c'est vraiment pas réaliste. Elle le repose, elle refait un truc, elle le repose, machin. Bah, elle peut plus s'occuper de lui maintenant, hein. Pousse-toi. Merci. Mais du coup, moi, je voulais qu'elle le demande en mariage. Parce que là, ils sont juste amour issu d'une amitié, petite amie, quoi. Non, je sais. Non, bah non, on peut pas. Je peux pas le bouger, mince. Action. Demander en mariage. Bah, te casse pas, toi. Je vous jure, il se défile à tout ce qui arrive, lui, hein. Pas possible. Alors, demander en mariage. Oh.
Oh, pourquoi je me casse? C'est quoi ces chaussures? On dirait il a des babouches. Est-ce qu'on peut, on est obligé de le prévoir un mariage? Enfin, je veux dire, on peut pas. Ah, demander de vivre ensemble, voilà. Puis ensuite, on organisera une petite fête de mariage et tout. Oh là là, elle est folle, elle. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Oh, discuter. Bah, dis donc, elle est très expressive. Mais voilà, moi, je veux qu'il aménage avec nous. C'est qui Emma Müller? Peut-être sa maman, parce que elle a l'air un peu vieille. Voilà. Quand même un grand chargement juste pour faire ça. C'est abusé. Donc voilà, on habite ensemble. Maintenant, je voulais voir un peu la personnalité de Maxime. Sans chaud. Ah oui, c'était comme nous, amateur d'art, adore la nature. Mais il a pas beaucoup de trucs. Personnage et... Ah mais on avait désactivé, c'est pour ça il va pas grandir. Il a encore ses livres de devoirs. Sinon, ouais, bof, il a pas grand-chose. Et en travail... Ah mais oui, il travaille comme nous. Il est niveau quoi, lui? Ah ouais, criminel 5, quand même. Nous, on est criminel 2. C'est ridicule, hein. Du coup, les bébés, en fait, ouais, j'avais zappé ce petit truc, c'est qu'ils vont pas grandir, du coup, on les fera grandir nous-mêmes. Parce que elle, j'ai pas envie qu'elle vieillisse trop, elle va devenir personne âgée, qu'elle aura eu le temps de rien faire de sa vie. Est-ce qu'il connaît des gens? Ouais, à peu près les mêmes gens que nous, quoi. Les bébés vont bien? Ouais, ça va, tranquillou. Mais du coup, voilà, moi j'arrive pas à faire des super vues et tout. Si quelqu'un s'y connaît, c'est regardez, moi j'arrive à faire ça, c'est tout. Peut-être parce que j'ai. Comment, avec un ordi portable et tout, que c'est pas. Je sais pas. Ce que je fais avec le trackpad et j'ai pas de souris. Enfin, quoique, je sais pas si ça changerait quelque chose avec une souris. Hein. Mais il y avait des autres Sims, on pouvait faire des super vues, j'ai l'impression, et là. Bref, c'est pas le plus important. Ah, mais ok, il arrive, il geek sur l'ordi lui. D'accord. Préparer des pancakes. Bah écoute, si tu veux. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est en train de faire. Tiens, mais quelle est ma ligne? J'avais complètement zappé. On avait un jardin là-haut. Tout récolté. Est-ce qu'il y a à désherber ou pas? Ah, on peut faire évoluer. Bah, faisons évoluer hein, si on peut. Tant qu'à faire. Lui, on peut pas. Et lui, faire évoluer. Faire évoluer. Wesh. Par contre, je sais pas comment elle a arrosé, mais ça dégoulinait d'eau. Hein. Elle a noyé les trucs. Par contre, elle a oublié d'arroser ça. Hein. Ça va pas. Par contre, dans son sac, du coup, elle doit avoir plein de trucs. On peut les vendre. Ah oui, vendons toute la pile, tant qu'à faire. Hein. Livre de cuisine. Volume 2. Tiens, tu vas lire un petit coup. Oh, champignons. On a trop. Il faut le vendre. Toi aussi, on va te vendre. D'ailleurs, faut qu'on paye les factures. Parlant de vendre. C'est où déjà? Ouais, ça va. Mais du coup, est-ce qu'on peut prendre des congés? On peut pas. Ah, pour raison familiale, voilà. Quoique. On s'en fout. Ah, mais lui, il travaille comment aussi? Parce que du coup, ouais, voilà, on travaille. Oh, il travaille 1 heure de moins. On va quand même prendre des congés parce qu'il y a les petits bébés et tout. Voilà, maintenant on va s'occuper un petit peu de Maxime au lieu qu'il nous colle au basket là. Interaction malicieuse. Ah ouais, c'est chiant ça. Putain, le niveau 6. Ok. Puis du coup, ouais, il a le même vœu que nous en fait. Mais j'ai pas envie de lui faire parce que ça me saoule. De refaire la même chose en fait. Mais il a envie de faire crac-crac dans le buisson. Bah, faire crac-crac avec elle. Quel bébé pleure? C'est les deux en fait. Mais celui-là, il m'a l'air quand même plus agité. Hein. Je pense que c'est celui-là qui pleure. Parce que vu comment il gigote. Apaisé. Ah, bah lui aussi maintenant. Changer la couche. Bah oui, tu m'étonnes. Nourrir au biberon. Et apaisé. Ah, bah j'ai pas mis apaisé, j'ai mis babillé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah non, mais il arrête de chouiner maintenant, hein. On se calme. Ah, mais il a ch faut changer la couche sale. Oh, j'ai entendu parler des fiançailles. Oh, quelle mignonne, cette petite. Mais il voulait faire crac-crac. Qu'est-ce que son téléphone sonne? Trop tard.
C'est quoi que je voulais voir? Ça, c'est quoi? Se fiancer. Oh. Mais on s'est déjà fiancé. Du coup, crac-crac dans le buisson, oui. Mais si, tu peux passer. Allez, je crois en toi. Mais va où? Ah, mais va travailler! Ok, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout, le mec? Ok, d'accord. Ah, comment il l'a laissé en plan, ça se fait pas. Franchement, j'aurais pas aimé. Du coup, bah, toi, bah... Très confiante. Attention. Faire un salto arrière. Bah, vas-y, vas-y. Attends, attends. Ne va pas dans la maison. Fais d'abord ton super salto arrière. Voyons voir ce que ça va donner. Bah, déjà, faut se mettre en arrière pour un salto, non? Non, mais c'est une blague! Un salto arrière, elle nous a fait un gros plat. Non, mais non, quoi. Déjà, salto arrière, tu te mets en arrière. Ah là 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 là, c'est Sims. Allez, cette fois tu y arrives, hein. On croit tous en toi. Bah voilà! C'était pas... Elle a perdu ses cheveux! Ah non! Ouah, sous l'eau, on aurait dit qu'elle avait pas de cheveux! Chaud! Oh, tu as faim! Eh ben, tu vas nous servir le dîner et tu vas nous faire fish and chips! Toujours un petit bug, je sais pas pourquoi. Non! Je crois qu'elle a un petit souci là! Hein. On dirait qu'elle s'est fait griffer! Non, qu'est-ce qu'elle a? Ah, mais elle est malade? Oh, mais attendez, mais c'est quoi ce truc? Ah, mais elle est gogole, je vous jure. Non, mais. Non, mais regardez ça. Ouais, on dirait juste qu'elle s'est fait attaquer par un lion, mais. Oh là là, non. Ah mince. Puis les bébés qui pleurent. Attendez, maman est malade, il faut se commander des médicaments. Elle a toujours pas payé les factures, mais c'est quoi ça? On va plus avoir la lumière, on va se demander ce qui nous arrive. Commander une poupée vaudou? D'où on peut faire ça? Acheter des médicaments. Oh, c'est bien quand les bébés s'arrêtent. Et c'est reparti, allez! Elle me fait vraiment très peur. Ensuite, tu prends tes médicaments. Et tu vas t'occuper de tes bébés. Pourquoi elle pleure ou elle rigole? Je sais pas. Nourrir, allaiter et... Allez. Très énergisée. Ah, son rhume. Bah oui. C'est un très beau rhume. Bon, du coup, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouvera dans le prochain épisode et je pense qu'on organisera le mariage. Et j'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour la suite de l'histoire, me donner des suggestions ou autres. Voilà, parce que j'aime beaucoup répondre aux commentaires et voir un petit peu ce que vous pensez des let's play, etc. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à dimanche pour le prochain let's play. Bisous!